Et ça, je dis souvent que ça a été la plus grosse satisfaction de mon tour du monde, c'est de voir avec mes propres yeux que la grande majorité de la population mondiale sont des gens honnêtes et sympas. Et ça, au journal de 20 heures, on ne va pas te le dire. Aujourd'hui, on est dans la génération BFM, l'information continue, dans la génération à recevoir des alertes info, attentats, tremblements de terre, etc. Donc, ce qui fait que ça produit, si tu n'as pas le recul nécessaire en regardant toutes ces infos, ça produit une certaine culture de la peur qui donne cette impression que le monde est dangereux. Alors que le monde n'a presque jamais été aussi peu dangereux. On a tendance à être un peu parano vu qu'on nous donne tous les jours des informations d'attaques. Avant, il y avait aussi des attaques à droite à gauche, mais on ne le savait pas. On n'avait pas l'alerte info dans la seconde, quoi. Mais sur place, ce n'est pas des attentats à la bombe que j'ai vus. Moi, c'est des invitations à manger tous les jours, quoi. Donc, tous les jours, invité à manger, à prendre le thé, à dormir. Et là, tu te prends une baffe dans la gueule. Tu te dis, attends, merde, j'avais peur d'aller chez vous. Et puis en fait, tout ce qui m'arrive, c'est que je me fais inviter tout le temps, quoi. Je me fais inviter 5-6 fois par jour. Et donc là, tu te dis, tu prends un peu de recul, tu t'assois, tu te dis, mais finalement, c'est peut-être pas si dangereux qu'on veut bien le dire, quoi.